Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant les phrases qui sont devenues cultes de la part de certains footballeurs. Franchement, si vous avez passé une journée assez compliquée, cette vidéo va vous remonter le moral et vous donner le smile. Elle est vraiment extrêmement drôle. Je vous laisse avec le petit montage. N'hésitez pas à lâcher le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. On a dit qu'on parlait pas du pour l'instant, hein. On en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier, hein? Enfin, tu t'as la merde. Pour moi, Metz, j'ai fait un match catastrophique, mais trop nul. Trop nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul à Metz. Donc même les gens de Metz, hein, les joueurs de Meaux, ils ont bien joué, sauf moi qui est nul. T'as, je loupe de mon dégagement. Je fais n'importe quoi, je me prends des buts et tout ça, c'est trop nul. J'étais trop nul. Il n'y avait pas plus nul. Je crois que c'était mon plus nul match de ma vie, je crois. Et c'est rare, messieurs, d'entendre Brandao en français, mais vous êtes le héros de la soirée. Quelle belle histoire, ce retour. Oui, merci Dios pour tout. J'ai merci Dios parce que c'est à un moment, c'est très difficile pour moi quand je reviens. Et grâce à Dios et tous les groupes qui, ensemble, nous qualifiquons de ce match. Merci les supporters qui viennent ici pour aider nous. Et merci tout le monde. Le ballon, il vous est retombé sur le dos, sur le but? Oui, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. J'ai seulement regardé comme le ballon vient avec moi, j'ai frappé. On l'a dit, hein, vous étiez champion avant même le match, donc la défaite n'a rien changé. Vous avez été champion, ouais. Vous avez célébré. Sauf Zlatan qui avait l'air de pas être très très content à la fin du match. Il avait le visage un peu fermé, il n'est pas resté longtemps sur la pelouse. Est-ce qu'il s'en est remis après? Est-ce qu'il a quand même un peu célébré le titre de champion ou il continuait à avoir la défaite en travers de la gorge et que ce ne soit pas passé, quoi? Oui, mais moi je me pose en question, pourquoi tu me fais toujours cette logique des deux mondes, toi? De quoi? Des questions, tu me poses toujours des questions hors du commun, quoi. Mais non, parce que t'es vraiment le bouffon des journalistes. Ouais, mais ça c'est pas. Tu fais une action par match, moi ça. Voilà, je suis pas content de mon match. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Rien à foutre. C'est pas le fait de. D'être éliminé, parce que ça arrive. Parce que le problème n'est pas que nous avons perdu la procrise, ça peut arriver. C'est le fait de. Je vais parler mal, mais bon, je vais le dire. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Θα το πω άσχημα ενδεχομένως, αλλά έχω την αίσθηση ότι σήμερα με πηδήξανε. Parce que quand on monte 7 minutes et qu'on prend un but à la 7:40. Διότι όταν έχουμε 7 λεπτά χρόνου και δεχόμαστε τέρμα στα 7 λεπτά και 40. J'appelle ça me faire enculer. Καταλαβαίνετε πραγματικά ότι είναι αυτό που είπα πριν. Donner un carton, deuxième carton jaune et un carton rouge à Vintra pour qui est prêt à faire la touche. Τον δίνεις δεύτερη κίτρινη κάρτα και τέλος κόκκινη κάρτα στον Vintra τη στιγμή που βρίσκεται στη γραμμή του out. J'appelle ça se faire enculer aussi. On n'a pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Je m'énerve parce que moi, j'ai été touché. Et ce que je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi. C'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert. Hein? Parce que vous avez des enfants, vous devez avoir des enfants. Et qu'un jour on touche à vos enfants et qu'on vient de faire ce qu'on. Mais c'est bien, Rick, c'est bien, Rick, ce que et, vous voulez. Et faire. Vous verrez comment ça. Ouais, comment c'est ça bien, parce que ça sort. Alors c'est pour ça que je parce le sors. Que ça sort. Ouais, parce que je continue à dire que je leur pisse. Et ça, c'est pas une insulte, c'est une grosse insulte. Si on a mis de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à foutre. J'ai connu l'équipe de France en 2006, c'était extraordinaire. Depuis l'Euro 2008, je suis en train de souffrir. On vient en équipe de France et pour connaître que des problèmes, que ce soit dans le groupe, que ce soit extérieur, c'est pareil. On dit des choses, on est là, c'est pareil. Il y a des choses qui ont été dites de l'extérieur, il y a quelqu'un qui va répéter des choses. C'est des choses, c'est pas normal, des choses comme ça. Là, on est dans une situation, il reste encore un match. Il faut faire honneur à l'équipe de France, à notre pays, il faut gagner ce match. Et voilà, après, on verra qu'est-ce qui se passera, mais... Quand elle rentre, ça fait blanc.